Nous, ouais, dans le conflit, ça, d'après ça, Michel, soit expliqué, nous, présence grandon, mais avec yon malice qui permet li, et ça, son mari qui nouveau, que jusqu'à présent, auditeur Radio Haïti, au pot qu'on est, qui permet li, à travers manipulation de communauté paysanne, non, dresser un groupe paysan contre un autre groupe paysan. Mais grandon, kadou lui-même, li même li clair sous question réforme agraire fait li c'est li fait réforme agraire hein monsieur t'a quand même allé jusque là vraiment puisque li distribuait l'état et li distribuait aux paysans comprendre mais qu'on y a faut qu'on font problème yo qui paysan ça t'ayé côté yo t'est sorti et est-ce que yo t'est déjà gain des antagonisme avec groupement tête ensemble non et toute question ça yo qui était là comprendre Jean question Jean Rabel là son question qui grave, qui sérieuse, qui méritait que gagne une enquête toute bon vrai qui fait sous lit par une commission sérieuse indépendante parce que li capable annonciateur de l'autre conflit du même genre et paysannerien étant la base, le moteur du changement dans ce pays. Oui, ça c'est premier problème. Non, mais Marie, pour nous tout de suite que li capable annonciateur comme Radio Haïti a annoncé hier matin, c'est que dans Tiot déjà, il y a information qui prouvait nous que là, tout Makoutio était paré pour réagir contre paysans, contre habitants qui a plouvrigé. Et dans l'autre région pays, il y a une bonne information que même mouvement ça a préparé. Donc, d'accord à coup que Jean Rabel est capable de constituer une espèce de laboratoire expérimental de force l'ombrage, force l'ennuit, contre habitants qui ont essayé l'ouvrier, habitants qui ont essayé marcher. Mais, sous exemple, sur le bail, là, sous description de situation, est-ce que ça signifiait que Grand Donyo, gros chabrac dans paysannerie, hein? Est-ce que yo même commencé gagner une intelligence sociale qui permet parce que là ou bon problème et ça son vision yo gagne là oui venons devant question de réforme agraire que habitants a demandé et puis au fond bac yo accepté pour perdant sous terre que yo t'ai fait maintenant l'état yo perdant sous lit un gens pour yo régler problème yo avec un l'ennemi identifié qui est l'ennemi groupement tête ensemble. Est-ce que c'est bien ça me comprendre dans sous stratégie grandon yo qu'on va expliquer nous là. Bon et m'pa vle passer pour moun savé sous gens yo penser réfléchi qui stratégie yo met en place. Mais si nous juger parfait yo et yo atteint un objectif, c'est-à-dire tête ensemble te bay au problème. Tête ensemble te vin remettre en question tout ton structure, tout ton mode de fonctionnement, tout ton mode de gestion de la propriété, tout ton mode de accaparation des biens, accumulation, etc. Donc, et penser que m'pa jamais croire que classe dirigeante dans pays ça, c'est une classe dirigeante qui saute, c'est-à-dire qui pas capable miser sous et une stratégie qui permette lui dans le court terme sembler que le perdu, mais dans le long terme sembler que le a gagné tout. Oui, parce que là habitant que le vin mettait sous terre que le partager. Je crois que il faudrait comprendre si n'en perdu ça que le fait puisque le bail au terre. Donc et yo vini râler manchette pour défendre terre que yo quoi qui pour yo parce que grand non bail. Est-ce que vous avez établi des rapports de clientèle, même Jacques, dans longtemps, avec Grandon? Ah, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin et que nous connaissions si vraiment et qui type de rapport. Ben, on a un petit jeune tout. Oui. On a un petit jeune. Oui, manœuvre, la tactique, la. Les faits qui mettent en application. Mm-hmm. Ou pour qu'on connaît et qui forme de clientélisme et qui autonomie nouveau paysan ça qui semblait que yo bénéficier de terre qu'on y a qui autonomie que yo pas capable et dégager vis-à-vis de finalement un bon papa qui ba yo monter que yo pas même mander yo même. C'est ça. Deuxième question m'a même posé à propos de problème
Jean Rabel, c'est que nous avons une impression de une espèce de lutte profonde entre bouc Jean Rabel là avec et arrière-pays Jean Rabel là avec paysannerie Jean Rabel là. On lutte entre la ville et la campagne. La ville là c'est Jean Rabel là, la campagne là c'est arrière-pays. Expliquez-moi, est-ce qu'on a l'impression ça hein? Et si vous avez une, sous qui ça le basé d'après vous? Bon, et là, je crois que. Bon, si on a parlé d'impression, oui, malheureusement, comme je dis, je ne pas tomber dans des spéculations, tout, côté je parle et dit oui, mais qui j'en crois que bah yo yé, vous comprenez? Bon, encore une fois, ça que je dis, ça que je saute expliquer, là, je connais, je connais que c'est un bagage qui fait, et au fait qui fait dans plusieurs parties dans le pays. Ya. Et c'est pour ça que m'ai exposé qu'on y a une opposition ville campagne là nous connaît que l'existait tout partout nous connaît que et son réalité son une contradiction d'ailleurs dans pays là côté et finalement même si toute ville dans pays d'Haïti fin n'est pas fini et ville yo quand même piquembé passe en dehors vraiment dans mal cité qu'on y a ça qui rivé Jean Rabel c'est que quelque part, il y a une série de grands dons qui, c'est des grands dons urbains, ça veut dire, ils vivent dans la ville, dans le bouc Jean Rabel. Dans le bouc là, et ils ont une série de terres en milieu rural. Qu'on y a. Ça ne veut dire que pas gagner des grands dons dans le milieu rural, là, même qui est capable d'user de même stratagème comme ça décrit là, pour provoquer des conflits entre des groupes de paysans côté où il y a une dans parti qui menace intérêt. Vous ça me dit et dans ce sens monsieur lui-même principalement là pour rejoindre Grandon la ville là, il c'est un relais de Grandon ça, il c'est un courroie de transmission et finalement intérêt au même par rapport à paysannerie qui a revendiqué droit et qui a demandé changement. Vous comprenez? Et parce que finalement, on en face de ça, et c'est ça qui a passé dans le pays à Konya, ou en face de des forces de changement, face à des forces de la mort. Vous comprenez? Ou bien des forces, c'est l'en mort et absimaï. C'est ça, c'est dans ça que vous jouez et la vie, par la vie yo, et pouvoir. Yo. Et puis, ou bien des forces qui ont demandé changement, qui ont même c'est des forces de la vie que vous avez. Et c'est ça qui a passé là. Toute force occulte. Non, moi, ça, j'en ouvre les là. C'est eux-mêmes qui ont intervenu qu'on y a. Et des fois voilés, des fois non voilés. Et qui ont opposé à eux-mêmes des forces de vie et de changement. Oui, mais pour être dans l'affaire Jean Rabel là, ça m'ouait dans la question, hein, c'est que, si on parle de grand don, urbain, ça qui est en boucle là, ils ont établi à travers tant pouvoir yo yon base nan bouk la qui fait que grosso modo d'après sa rapport que nous te recevoir moun nan Jean Rabel te vin développer un sentiment d'hostilité face à habitants qui étaient dans groupement tête ensemble. Est-ce que c'est pour une deuxième et contradiction que nous joignent nan et qui justifier qui expliquer massacre là? Bon, ça c'est certain, moi crois que ou t'es font émission déjà on râle sur ça et côté il paraît clair que et opposition ville campagne ça t'es venu manifester li et non ou opposition tête ensemble équipe missionnaire contre ville Jean Rabel dans tout puisque finalement et li menacé tout gros pouvoir ça qui chita en boucle quand travail équipe missionnaire travail groupement tête ensemble menacer tout et gros et grand don qui finalement représenter l'état représenter la justice si vous carrez ça la justice représenter tout intérêt c'est eux même qui contrôlent les transports c'est eux même qui contrôlent tout bagaille donc à la minute que ou gagne un travail qu'a fait en milieu rural et qui lui-même a conscientisé, a
poussé devant des revendications, yo vini en conflit direct avec ville, avec boule, avec tout système qui chita en boule et qui simplement gagne des relais dans la campagne. Avec quand même des trois correctifs, parce que dans le programme, dans l'émission spéciale, premier volet que je me fais, même Rémi Lucas, qui devine témoigner Radio Haïti, et me signaler que je me déballe la parole, et me signaler que l'utiliser parole là, Jean Tépito, et l'été reconnaître que le groupement était ensemble, équipe missionnaire, était fait pour bouc Jean Rabel. L'été énuméré une série de bagailles. Et affaire de électricité, affaire de canalisation hydraulique, enfin, il y a une numéro, une série de bagailles, point, etc., qui était faite par équipe missionnaire avec groupement Tête Ensemble. Donc, même pour Villa, il y a des réalisations qui étaient tangibles, qui étaient visibles, et que même Moun Lucayo était reconnaître publiquement. C'était un rallye Jean-Dominique t'a fait avec Michel Pierre-Louis en 87, sous raison. Ça qui était en bas, événement ça, tout le monde songeait, massacre 23 juillet 87 dans la zone Jean Rabel. Et pendant toute l'année qui vient après, jusqu'à arrivé 91, paysans pape suspendre subit répression. Il est levé campé. Nous songeait toute revendication qui fait sous question chef section. Revendication qui pas fini, malgré chef section passé sous l'ordre la justice. Il a changé maître, mais il n'a pas semblé changer métier. Kounia, c'est problème pifon qui posait. C'est comme ça que le gouvernement Aristide a demandé la démacoutisation et structure l'État. Nous connaissons ces pratiques démocratie qui peuvent permettre de retirer l'esprit Makout, le comportement Makout dans le temps. Mais il y a un secteur dans le pays côté Makoutisme fort en pile. Dans le système de la justice, la, côté corruption Makoné avec répression. Dans le bureau l'État, côté corruption Blainette. Bureau l'État que Divalier a fait Makout cadeau. C'était une façon pour être capable de remercier Makout, bayo un chèque dans l'État, mais tout, c'était une façon pour le système nan être capable de bien pourri, pour rien pas empêcher vol, corruption et répression que Divalier était besoin pour kembe pouvoir li. C'est dans nan organisation l'État yo, système Makout la continue à fonctionner juste journée jodia. Et c'est là pour nettoyage la continue fait pour arriver tout bon vrai capable di un jour Makout. Pas la donne.